Non, mais on va attendre, les gars. Oulala, là là, grande discussion là. Oui, oui, mine, mais grande discussion. Déjà, le signe a été dégagé. Hein, soyons très très honnêtes. Voilà, retourne dans ta petite île là-bas, s'il te plaît, merci. Voilà, non, non, parce qu'il y a des, tribus. Non, on va à Disney World, non, on va à Disneyland, non, on va à Disneyland, Californie. Non, non, on va à Disney World, non, non, moi je vais à Shanghai, Disneyland. Tu vois, s'engueule. Incroyable. Allez, très bonne journée. Hello. Donc on a traversé Kensington Gardens et maintenant on a Kensington Palace qui est juste devant nous. On est dans les jardins, c'est ouvert au public. Alors l'été c'est comme Buckingham Palace, il se visite. C'est 28 pounds à peu près je crois. Oui, c'est quand les familles sont en vacances dans d'autres endroits. Voilà, oui c'est ça. Comme pour Buckingham Palace, l'été c'est la période où on peut visiter ces deux endroits parce que traditionnellement, la famille royale, les membres partent ailleurs, notamment bah, la reine est née allée à Balmoral. Bref, ça peut se visiter, réservation en ligne de préférence, mais sur place, il y a toute la possibilité de le faire. On ne va pas le faire là, nous, on a d'autres projets aujourd'hui. Oui. Mais les jardins, dès 9h, 9h30, ils ouvrent les jardins qui sont autour. Oui. Donc, un petit tour, c'est magnifique, un petit tour, et on se retrouve tout de suite après pour d'autres aventures. Alors les enfants de Diana, bien sûr, Harry et William ont demandé à ce que cette statue soit faite. Elle fait face au palais et ils sont représentés aussi enfants. C'est très très bon. C'est la statue dont je t'ai parlé. Donc il y a aussi un mémorial de Diana qu'on vous avait montré lors d'une ancienne vidéo l'année dernière le long de Serpentine qui est très beau, beaucoup plus moderne, c'est une sorte de fontaine, c'est magnifique. Mais là vraiment tout autour vous avez donc ces arcades boisées, enfin avec des arbres magnifiques, des petits ajourés pour pouvoir regarder autour de nous ce qui se passe. La statue est vraiment très très belle et c'est très très bien qu'ils aient fait ça, je trouve. Je trouve que ça lui rend vraiment hommage qu'elle ait ses enfants. Et qu'elle soit face à ce palais où elle a dû vivre beaucoup d'émotions avec ses fils. Moi, je fais beaucoup de réservations parce que j'ai pris l'appli aussi de Get Your Guide. Get Your Guide, c'est mondial, c'est dans toutes les capitales du monde. Et donc, pour Londres, par exemple, je fais beaucoup de réservations dessus. Les prix sont très corrects. Il y a souvent des moments où c'est moins cher. Après, il y a des gens qui prennent les London Pass. C'est des passes à la journée. Je crois que c'est 100€ pour une journée avec deux attractions, enfin deux visites. C'est ce qu'on avait fait les premières années avec nos fils. C'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Vous choisissez ce que vous voulez visiter selon les prix. Donc, il y a beaucoup de choses en ligne et même quand vous êtes sur place, vous pouvez encore réserver, hein, il n'y a pas de problème.
le monumental mémorial au prince Albert, époux de la reine Victoria. Et juste derrière, lorsqu'on pivote, on a un monument culte, une salle de spectacle exceptionnelle, le Royal Albert Hall. Dans ce bâtiment exceptionnel, il y a tout type de spectacle, que ce soit des shows télé, il y a, je vous parle d'une autre époque, dans les années 92-93, c'était la WWF à l'époque qui s'était produite ici. C'était exceptionnel avec le British Bulldog, qui était une méga star forcément, sans doute bien en Angleterre. Il y a les promotions de chaque année qui sont là, il y a avec la BBC. J'ai vu un spectacle incroyable sur Doctor Who à cet endroit-là. Voilà, l'endroit est magnifique, les shows qui y sont sont absolument incroyables. Si vous tapez sur YouTube Royal Albert Hall, vous verrez, on vous propose une tonne de spectacles qui se sont joués ici. Et ça continue, hein. C'est toute l'année, c'est continuellement on a des shows ici. Et j'adore les petits trucs qu'il y a autour, comme ça, c'est un endroit que je trouve assez magique. Justement, au moment où on tourne, il y a la BBC qui est là, le BBC Proms, comme chaque année. Si vous n'avez pas des places de spectacle, comme là c'est ouvert, il y a une boutique, il y a un restaurant, on peut manger, boire, food and drinks, comme ils ont écrit. Donc, Steph s'y est déjà engouffré. Je sais pas si je peux filmer dedans, mais elle est déjà à l'intérieur. Alors, ce qui est très bien dans chaque endroit que vous avez toujours ces panneaux qui vous expliquent ce que vous avez à 15 minutes autour ou à 5 minutes autour de vous. Voilà, donc quand vous cherchez quelque chose, c'est hyper pratique. Voilà, 5 minutes walk, you are here. C'est hyper pratique, on s'en sert tout le temps. Parce que là, on est dans un endroit, donc Kensington, où il y a vraiment tout ce qui est muséum, enfin musée, pardon, collège, enfin faculté. Et c'est incroyable, là vous avez le Science Museum, le Natural History Museum, le Victoria and Albert Museum. Ici, vous avez The Imperial College of London. Vous avez le. Là, nous sommes en face, juste en face du Royal College of Music. Donc, c'est juste incroyable. Il faut savoir que les musées, en grande partie, sont gratuits à Londres. La culture doit être accessible à tout le monde. Et c'est hyper bien. Par exemple, là où nous allons, c'est gratuit. C'est ouvert 7 jours sur 7. Après, il y a des différences d'horaire selon les jours de la semaine. Par exemple, aujourd'hui, c'est dimanche, ça ferme un peu plus tôt. Mais la plupart des musées, je dis bien la plupart, il y en a certains qui sont payants, mais c'est vraiment pas grand-chose. Mais la Portrait Gallery, le British Museum est gratuit, c'est magnifique. Je vous conseille vraiment d'y aller, c'est un des plus beaux musées que j'ai jamais vu. Surtout qu'ils ont rénové à certains endroits, un petit peu comme le Louvre. Il y a des nouvelles salles qui sont absolument sublimes. Et là, nous avons emmené nos enfants pendant des années, puisqu'il y a... musée d'histoire naturelle, vous avez toute une partie dinosaures incroyable. On se croirait d'ailleurs dans Harry Potter. Hein. Enfin, il y a beaucoup de gens qui y vont justement à cause de ça. Manifestement, ils ont aménagé des jardins, donc on va aller découvrir ça avec vous. Mais c'est surtout que nous, pendant des années, on a emmené Victor, qui est un fan de dinosaures, les autres garçons aussi, mais lui particulièrement. Il y avait un T-Rex incroyable, qui lui faisait d'ailleurs extrêmement peur. C'était vraiment... C'est génial de pouvoir faire des musées comme ça, par exemple le Science Museum, qui aussi, vous avez l'alunissage, vous avez des fusées, c'est magnifique et c'est gratuit.
quand vous arrivez devant le musée, on vous propose de réserver, parce qu'il faut juste réserver, juste pour le principe qu'ils sachent combien de gens sont dans le... Dans, j'imagine qu'ils ont mis ça en place avec le Covid. Donc, au moment de prendre des places, vous allez voir, ça vous propose... Alors, c'est avec un QR code, ça va très vite. Hein. Au moment de prendre des places, vous avez d'abord avec 5 pounds, 10 pounds... Alors, on se dit, ah, mais c'est payant maintenant, en fait, pas du tout. C'est juste qu'ils vous proposent de faire une donation. Et tout en bas, vous avez free. Donc, moi, nous, on fait ce qu'on veut, donc on a donné. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez prendre des free tickets. Ça vous envoie un QR code. Vous vous enregistrez, ça vous envoie un QR code. Et le QR code, vous arrivez, vous rentrez tranquillement. Donc, nous, on va s'éclater d'abord par le Science Museum. Voilà. Donc, ce dont je vous parlais, vous voyez, partout, vous avez ça. Et maintenant, vous pouvez donner, ce qui est très bien, c'est que vous pouvez mettre de l'argent ou alors vous pouvez donner en mettant avec le QR code qui vous est proposé. Et enfin, voilà, vous avez ça avec un sans contact, 5, 10, 20 ou plus. Tant mieux s'il y en a qui donnent plus, parce que la plupart des musées, donc, ils sont gratuits. Comme je vous expliquais dans une autre vidéo, ils vivent de donations. Hein. C'est des donateurs privés la plupart du temps. Il y a des choses qui sont prises en charge par l'État, mais 70%, c'est des donations privées, comme les parcs. Tout est entretenu par des donateurs privés. Ça, c'est top. Petit café. Gift shop. Grosse machine. Bien sûr, est immense. On ne va pas tout vous montrer et ce n'est pas un musée des transports, contrairement à ce que vous allez pouvoir croire. Mais on s'est un peu focalisé sur cette zone-là qui est absolument exceptionnelle. On a une évolution des transports en milieu urbain et autres. Et c'est la partie conquête de l'espace, moi, me laisse toujours complètement rêveur. On peut y passer des heures dans ce musée. Vous avez des zones consacrées, c'est l'histoire de la médecine qui s'écrit devant nous. L'avancée des sciences. Bref, c'est un endroit immense et je ne suis pas sûr qu'une journée entière suffit pour en faire le tour. Sorti du musée des sciences pour arriver au muséum d'histoire naturelle. Voilà. Alors en ce moment, je crois que l'entrée se fait côté rue, toujours gratuit, hein, parce que là, je vois qu'il y a réfection, travaux. Et en tous les cas, il y a ça qui a été aménagé, dont on n'est pas vu depuis des années. Il y a ça qui a été aménagé dehors. C'est des jardins un petit peu immersifs. C'est très sympa, c'est ouvert à tout le monde. Vous pouvez passer par là pour aller rentrer dans les musées. Petite balade sympathique. Avec des dinosaures en plus. Thank you.
C'est génial ce tunnel qui a un accès direct au Muséum d'Histoire Naturelle. Alors ça, c'est récent par contre. Et aux autres musées, tu as vu ? Oui, bien sûr, toute la zone. Tu sors dans le jardin pour un Muséum d'Histoire Naturelle, mais si tu remontes... Oui, là-bas. Tu as des sorties pour les autres musées qu'on a montrés. C'est fou. Dans le Science Museum, l'autre côté, il y a le Albert and Victoria Museum. C'est incroyable. Et on a accès direct au métro, enfin au tube, ce qui est génial. Alors, nous allons, après un petit pique-nique, à Green Park, juste à côté de Buckingham Palace. On passe par le Ritz, tranquille, et là, on va déboucher vers le paradis de Chris. Fortnum & Mason, Waterstone et... Hatchard. Après-midi shopping avant d'aller à 16h voir une comédie musicale. Comme à chaque fois qu'on vient, je vous montre un peu Burlington Arcade, qui est juste à côté de, juste en face quasiment de Fortnum & Mason, pendant que Chris choisit, okay. Bah, la durée, la durée partout. Pendant que Chris choisit toutes ces petites victuailles, parce que voilà, faites-vous plaisir à venir ici. Faire de belles photos, beaucoup belles arcades avec plein de boutiques incroyables. Voilà, donc là, la chasse au trésor a commencé. Voilà, voilà. Il s'est content. Donc, vous les avez vus dans plusieurs de nos vidéos. Vous l'avez vu pour Noël, absolument sublime, la boutique de Noël. Vous l'avez vu dans nos vidéos de l'année dernière. C'est vraiment un superbe magasin. Donc, effectivement, au niveau des prix, c'est un peu plus cher, hein, parce que c'est quelque chose d'assez luxueux comme endroit. Mais enfin, cette magnifique boîte, vous pouvez sentir ce qu'il y a dedans, bien sûr, tout l'été. Vous pouvez tous les sentir. Et c'est 10,95€. Donc, c'est pas non plus... Au vu de la qualité de ce qu'on vous propose, c'est très très correct. Les boîtes de gâteaux sont absolument sublimes, sublissimes. 9,95€. Comme toujours, il y a toujours un magnifique show au centre du magasin et à l'extérieur, que ce soit pour Noël, que ce soit pour l'été, c'est sublime. Ça, c'est des boîtes que nous collectionnons. Hein, je vous en ai déjà parlé, regardez, elles sont sublimes. Voilà, Fortnum & Mason, sa célébration, parce que c'était leur anniversaire. Donc c'est absolument sublime. Ici, vous avez ces boîtes absolument gigantesques que nous on adore. On les collectionne, on les a quasiment toutes, si c'est pas toutes. Et voilà, par exemple, moi j'adore collectionner ce genre de boîtes qui représentent l'endroit où on est. Ça c'est très 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 londonien, ça se fait beaucoup. 19,95€ la boîte, c'est pas hors de prix non plus. Dedans il y a quand même une quantité de gâteaux, parce que là on est sur des gâteaux. Ah, c'est une boîte musicale en plus. Voilà, voilà, c'est une boîte musicale, celle-ci, je l'adore. Boîte musicale, elle se remonte en dessous. Vraiment, si vous venez à Londres, faites-vous plaisir, même si c'est pour vous y promener ou acheter un tout petit gâteau. Et venez à Fortnum & Mason. Ah, ben là, il y a tous les gâteaux.
Alors là, on est avec les marmelades, donc c'est foutu. On est là pour la journée. Chris et la marmelade, c'est une histoire d'amour, de folie. Je vous montre juste le petit pot qu'il a trouvé il y a 30 secondes. Oh là là, tu les enlâchettes celui-là. Regardez-moi ça, magnifique. Il y a tellement de différentes marmelades avec ce qu'on appelle cupcake, avec des morceaux entiers dedans. C'est un truc de fou. Là-haut, vous avez un petit restaurant aussi très sympa. Regardez, c'est mignon. Là, ils présentent leur miel. Oh, comme c'est joli. Non, mais c'est vraiment très, 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 très beau. Très, très beau. Maintenant, on continue vers Waterstone. Et Waterstone. C'est un super magasin pour ceux qui aiment acheter des livres. Au dernier étage, je passe un petit truc pratique. Comme chez Foyles, il y a des toilettes. C'est toujours bien pratique dans Londres où il y a des toilettes à 1 pound. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, donc là, vous avez 5 étages de livres qui vous attendent. Voilà, c'est fini, donc on est devant. Ah, moi, je te laisse plus parler parce que toi, ça te touche, c'est un truc que tu aimes énormément. Moi, je n'aimais pas du tout le film. Et là, l'histoire, en fait, c'est l'histoire, j'ai un problème. Par contre, ce qu'on a vu, représentation exceptionnelle, je trouve. Sublime. Le chant, la danse était vraiment géniale. Voilà. Je te laisse parler. Pour ceux qui veulent le voir, ça va être compliqué. Il s'arrête le 25, c'est une tournée mondiale à la base. Excuse-moi, je t'interromps tout de suite. Je pense que quand le moment la vidéo sort, le 25 est déjà derrière nous. D'accord. C'était du 31 juillet au 25 août. Peut-être qu'ils reprendront ultérieurement, je ne sais pas. C'est un show qui est à Broadway normalement toute l'année. C'est une institution, le Chorus Line. C'est quelque chose aux États-Unis qui est tellement connu, mais même mondialement très connu. Ça raconte l'histoire en fait d'une audition, et dans cette audition, chaque personne est en introspection et lâche des vérités qui sont un petit peu dures à entendre, ou pourquoi ils sont danseurs, pourquoi ils sont artistes, qu'est-ce qu'ils feraient si demain tout s'arrêtait. Donc c'est des moments assez émouvants. Moi, je suis émue, pas par l'histoire forcément, je suis émue parce que Chorus Line, c'est une des premières choses que j'ai vues quand j'étais enfant, pour la bonne et simple raison que Baryshnikov, qui a fui l'URSS à l'époque et qui est devenu citoyen américain très rapidement, quand il a été fait citoyen américain, il a demandé, donc il y a eu un spécial avec Liza Minnelli, où il a fait toute une rétrospective des comédies musicales qui, pour moi, à l'époque, j'avais 8 ans, 8-9 ans, j'étais hystérique de les voir. Mon père m'avait enregistré cette émission que j'ai mis des années à retrouver sur YouTube et que j'ai enfin retrouvée, où ils font donc toutes les comédies musicales les plus connues américaines. Et à la fin, il dit « Je veux encore une chose ». Et elle lui dit « Mais quoi ?» Et il dit « Je veux danser avec le Chorus Line ». Pour vous dire à quel point le Chorus Line est une institution, il y a ce fameux final avec le chapeau doré, le nœud au papillon que j'ai. Ils ont plus de chapeau. Mais j'ai le nœud papillon, voilà. Donc le fameux final qui est très connu parce qu'il y a un jeu, alors là ils ne l'ont pas fait, mais normalement à Broadway il y a un jeu avec une glace qui descend au fur et à mesure qu'ils dansent. Tous les danseurs qui sont dans cette pièce à la fin dansent le final de One, qui est une chanson extraordinaire. Et avec le jeu de miroir, on a l'impression qu'ils sont 300 sur scène, c'est magnifique. Magnifiquement interprété, les chansons sublimement chantées, revisitées d'ailleurs par moments, très bien. Et on était, alors je vous dis franchement, moi je ne peux, enfin j'ai regardé un petit peu des prises sympathiques. On était tout en haut, et ben on a super bien vu l'orchestre à un moment tournait parce qu'ils étaient dans une sorte de caisson extraordinaire. Les interprétations, les danses, la musique est superbe. On a acheté le programme qui est superbe, d'ailleurs qui est à l'image de Chorus Line, c'est-à-dire vraiment doré. Voilà. Alors voilà le final. Attendez, je vais vous montrer. Alors ça c'est quand ils répètent. Et normalement, à la fin, je ne sais pas si on voit le final quelque part. Ça mange du début vers la fin, peut-être. Voilà, il y a différentes... Ouais, mais le final, voilà, le final, ils sont tous en doré. C'est comme ça, et normalement, c'est une ligne. Vous tapez Chorus Line sur YouTube, vous verrez forcément le final. Vous tapez la chanson One. Moi, je suis extrêmement émue, je ne pleure pas. J'ai pleuré pendant le spectacle. À la fin, je chantais. Personne ne m'a entendu. Mais c'est pour moi, c'est toute mon enfance.
c'est tous ces moments où je me suis raccrochée aux comédies musicales, et celle-là, c'était celle qui me faisait le plus rêver. Je trouve que le film avec Michael Douglas est extrêmement raté. C'est bien, bien dommage. C'est un petit film musical, vraiment de seconde zone. Ça aurait pu être un truc magistral. Mais en tous les cas, mon rêve, c'est de finir par le voir à Broadway, sur la scène de Broadway, parce que ça fait, je crois que c'est un show qui date des années 60 ou 70. Enfin, c'est quelque chose qui est là depuis... Fin des années 70. Fin des années 70. C'est un truc colossal. Voilà. Donc, voilà, comme ils font à la fin avec le chapeau, super. Une adresse sympa, juste au pied de Trafalgar Square. Les tarifs sont très corrects. Le service peut être un petit peu lent. Alors c'est peut-être parce qu'on était le soir, un dimanche, je ne sais pas. On a entendu un petit moment. Par rapport aux pubs, un petit truc à savoir, je dis bien les pubs, les vrais pubs comme celui-ci. Il n'y a pas quelqu'un à l'entrée qui va vous accueillir. Vous n'êtes pas dans un restaurant traditionnel. Le pub, généralement, vous rentrez, vous allez vous installer une table. Chaque table, normalement, a un numéro. Et vous allez au bar, et là vous passez votre commande en disant tel numéro de table, vous payez et vous venez à votre table et là on vous servira. Normalement tous les pubs sont sur ce schéma là. Poppy's n'est pas un pub, c'est pour ça qu'il y a quelqu'un à l'accueil et on va vous placer. Bonjour, bonsoir, ça va? Bonsoir. Voilà, d'expliquer le principe des pubs et comment c'est pas mal, c'est pas mal, c'est ça. Hein. Voilà, voilà. Alors, voilà, dernière soirée à London. Et là c'est là qu'est l'os. Bon, quelques images de Londres. On n'a pas fini, on vous dit au revoir tout à l'heure. Ou on dit au revoir maintenant? Non, on ne dit pas au revoir maintenant. Si, on va dire au revoir maintenant. Quelques images de Londres. Je ne vais pas dire au revoir. Ouais. Alors, dis bonsoir. Bonsoir. Parce que nous, c'est la nuit. Donc voilà. Bon, ben, au prochain vlog. Et puis, quelques images de Londres. Bye bye.